presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Cantelou. Et c'est donc notre ami Nikos qui est avec nous aujourd'hui vendredi. Ouais, salut, salut July, salut Natasha, salut Odoc Jean-Marc Mondini et à notre reine des neiges Lola Saubure et salut bien sûr à Salim Swim Shrek. Salim ce matin donc. Salim, ouais. C'est d'actu. C'est notre joker de luxe qui a bondi du banc des remplaçants comme toujours. Il a enlevé son survêt européen, Maxime Soutek, bien sûr, vous l'avez reconnu chers auditeurs, on lui a vérifié les crampons, il est prêt. Il a même repassé sa chemise pour marquer sa différence avec Thomas Soto. Je confirme, elle est repassée. Allez, petite page autopromo, mes invités du week-end sont... Alors... Je recevrai, ma chère Julie, Patricia Daré. Elle parle aux esprits. Autant vous dire qu'elle est complètement darée. Jean Reno également, pour une pièce de théâtre. On a été très dur avec Jean Reno, l'excellent Jean Reno, le formidable Jean Reno, car Jean Reno a, c'est vrai, un peu déçu au cinéma depuis Léon. Mais il va prouver sa polyvalence en montrant qu'il peut aussi décevoir au théâtre. Oh bah, il sera content d'être venu, lui. Bien sûr, on plaisante, on est là pour faire rire, je vous le rappelle. J'espère que nos auditeurs vont sourire en plaisant. Bien sûr, tout le monde sait que Jean Reno est un grand acteur. Enfin, je me suis rattrapé comme je pouvais aux branches. J'en recevrai l'androgyne chanteur israélien Asaf Avidan, l'interprète du tubesque One Day, qui nous chantera ses deux nouvelles chansons. Alors nous, on s'en fout. On s'en fout de ces deux nouvelles chansons, veut son tube. One Day. Point barre. Allez, tout de suite, les Titans of the Duke of the Today. Allez, ouais. Nico, on vous écoute. Djihad échoue de Bruxelles. Oh là là, la police belge, ouais, ça sonne bien, hein, Natasha. La police belge a déjoué un attentat terroriste. Alors, bien sûr, on tient à apporter tout notre soutien à nos amis belges. Mais que les choses soient bien claires, non, on ne défilera pas dans les rues avec des friteuses et des pancartes « Je suis belge ». On veut bien être sympa, mais faut pas déconner quand même. Charlie Hebdo cartonne, ne les arrête plus, les ventes explosent, nous l'avons dit, et le compte en banque de Charlie Hebdo aussi. Au point que Charlie Hebdo serait actuellement sur le point de racheter le PSG, le printemps, les Galeries Lafayette et même la Grèce. Ah oui, ils sont plus blindés que les Qataris à Charlie. Y a pas à dire, ça rapporte moi au moins. Et puis émotion, le corps d'Hervé Gourdel, le... Guide de haute montagne, vous savez, qui avait été assassiné en Algérie, a été retrouvé 5 mois après sa mort. Alors bien sûr, on ne voulait pas faire de vanne sur ce sujet horrible, mais c'est la semaine où on est tous Charlie. Donc on fait du Charlie. Oui. Le corps d'Hervé Gourdel donc a été retrouvé. C'est une bonne nouvelle pour le magazine Elle qui l'avait annoncé. Oui, le mois dernier, elle titrait « Retrouvez votre corps avant l'été ». Pick up Charlie, vanne, humour noir, hommage, oui, une fois par jour, on a le droit. On est tous d'accord, on a le droit, une fois par jour. Hommage à Charlie, oui, c'est ça. Mouvement de mode. Depuis l'attentat, acheter Charlie Hebdo est devenu un devoir citoyen. Acheter Charlie Hebdo, c'est super, on s'affiche tous dans la rue avec son numéro de Charlie Hebdo, on est hyper fiers, donc écoutez, vivement alors un attentat à haute vidéo. Hein, qu'on puisse enfin, ah oui, messieurs, autour de cette table, qu'on puisse enfin dire à sa femme, mes chéris, je fais un acte citoyen en achetant haute vidéo. Oui. Allez. Bon bah merci Nikos. J'en ai un dans mon sac. À demain matin sur Europe 1. Les hommages à Charlie Hebdo continuent de pleuvoir. On va accueillir Gérard Depardieu. Oui. Bonjour Gérard. Mais d'abord, oui, salut. Un petit mot d'abord quand même de l'actualité du jour. Hein, c'est la Belgique et les attentats déjoués en Belgique. Oui, ma Julie. Salut mon Swiss steak. Hein. Paradis fiscal, qui disait la Belgique. Paradis fiscal, tu penses. Hein. Ça pète dans tous les sens. J'ai en Russie, il y a la guerre. Je vais en Belgique, elle terrorise. J'ai pas de bol avec mon exil fiscal, moi. Hein, tu vas voir que si je vais aux Bahamas, tu verras qu'il y aura un tsunami. Ah, on a un petit problème de liaison avec le studio où se trouve ce matin Nicolas Cantelou. On va essayer de retrouver Nicolas Cantelou tout de suite. Aïe. On est en train de réparer les fils. Le fil bleu avec le fil bleu, le fil rouge avec le fil rouge. On va retrouver Nicolas Cantelou dans un tout petit instant. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Julie, on a retrouvé Nicolas Cantelou. Ouf. Oh, merde. Et Gérard Depardieu. Oh, dégage. Ils m'ont fait un attentat au son. Non, on n'est pas tranquille en Belgique. C'est pas fini, ces histoires. Alors, Gérard Depardieu, vous avez pris la pause. On vous a vu avec le célèbre écriteau « Je suis Charlie hein ». Ah oui, je suis Charlie. Évidemment, je suis Charlie. Quelle tristesse. Cabu. Oh, Cabu, c'était mon frère. Bah oui, dans ces moments-là, on se sent très proche des victimes. Hein. Et non, mais qu'est-ce que... Mais c'était vraiment mon frère, Cabu, allons. Mais attends, allons. Qu'est-ce que vous racontez? Non, on avait le même nom de famille, Juju, allons, réalise. Hein, Depardieu, c'est un pseudonyme, bien sûr. Hein. Dès que je vais dans un bistrot et que je renverse les tables et que j'urine sur le bar, les gens me reconnaissent et ils disent « Ah, ça c'est encore Gérard Cabu !» Ah, hein, Gérard Cabu, oh là là. T'es dit qu'on était de la même famille. Oh là là. Hey, tu rigoles à cette vanne, Swister. Tu sens collu. Mais je ris. Bon, hein, demande à Soto, il sait de quoi je parle. Il n'en est pas là ce matin, d'ailleurs. C'est Gérard Cabu. Bon, ben voilà. Merci, Gérard Depardieu. Je t'embrasse,
Lassana Vatili, ce jeune Malien qui a sauvé une quinzaine de personnes lors de la prise d'otage du supermarché Kacher, va donc recevoir la nationalité française. Bernard Cazeneuve, bonjour. Mesdames, messieurs les députés, mesdames, messieurs les officiers, capitaine Flamme, colonel Moutarde, toute l'équipe d'Europe 1, madame l'horloge. Oui, le jeune Lassana Batili recevra mardi la nationalité française, même si j'aurais aimé et souhaité le faire plus tôt, cher Jules Leclerc. Alors pourquoi mardi alors? Eh bien écoutez, une cérémonie devait avoir lieu ce matin, mais les vigiles n'ont pas voulu me laisser rentrer. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient laisser rentrer que les gens importants et qu'ils attendaient d'une minute à l'autre le ministre de l'Intérieur. J'ai donc, vous l'avez compris, dit tout de suite que j'étais Bernard Cazeneuve et que par conséquent j'étais à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont répondu que non, j'y étais pas à l'intérieur et que j'allais même rester à l'extérieur un bon moment. Hein, vu qu'ils s'en foutent que je m'appelle Bernard Cazeneuve, Bernard Chasseneuve ou Bernard Chassebeuf. Vous comprenez donc le petit contretemps qui m'empêchait d'aller voir notre héros, donc pardon, monsieur Lassana Batili. Eh ben voilà, merci monsieur Cazeneuve. Allez, on va revenir sur cette naturalisation express donc de Lassana Batili. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous en pensez quoi, vous? Écoutez, naturaliser Lassana, peut-être, mais je pose la question, pourquoi faire? Parce qu'il le mérite, quoi. Il a fait un acte héroïque, on est fiers qu'il devienne français. Oui, je comprends, mais pourquoi faire? Mais parce qu'il le mérite. Lassana est malien. Il est musulman. Et musulman pratiquant. Cela dit, je me remets de mes émotions. Voilà. Mais cela dit, s'il devient un vrai français, dans une semaine, il sera donc en train de faire la gueule dans le métro. Il râlera, je ne sais pas, contre le gouvernement. Et aux prochaines élections, il votera pour ma fille Marine. Comme tous les bons français, vous voyez, humour, dérision, frontiste, recul, hauteur de vue, n'est-ce pas? Allez, merci Jean-Marie Le Pen. Tout le monde a été curieux de découvrir le nouveau Charlie Hebdo et de rire aux dessins qui ont été publiés. Ah non, pas moi. Ah, Gilbert Montagnier, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi bonjour, vous n'aimiez bonjour à tous. Vous n'aimiez pas Charlie? Ah, j'en sais rien, ils n'ont jamais publié un dessin en relief. Alors bon, en même temps, c'est vrai qu'un dessin en braille, c'est quoi? C'est une maquette. C'est vrai qu'un journal avec 200 maquettes dedans, c'est pas simple à éditer. Alors, ce serait quoi la solution à la stigmatisation, Gilbert, alors? La solution à la stigmatisation, Julie, je dis à tous, c'est la non-voyance. Moi, si, vous savez, moi, je ne vois pas bien les couleurs. Hein. Je suis, on va dire, daltonien plus. Je ne vois pas si le gars qui me parle, il a une kippa, si le gars qui me parle, il a une croix, ou si la femme, elle a un voile. Et du coup, je m'en fiche. Moi, mon seul critère, ma seule vérité, je l'écoute. Gilbert Montagnier. C'est joli. C'est beau, c'est beau. Ah, Laurent a trouvé que c'était beau. Merci. Mais oui. Au moins, il y en a un qui a trouvé que c'était beau. Et au moins, il y en a un qui écoute. Enfin, qui fait quelque chose de poétique, de léger dans cette émission. Merci beaucoup, vous Gilbert. Vous êtes tous en liberté. Merci beaucoup, Gilbert Montagnier. Allez, on revient sur cette info effrayante hein, qu'on a toujours du mal à croire. Saïd Kouachi, l'un des deux frères, auteur de la tuerie de Charlie Hebdo, a été ambassadeur du tri sélectif à la mairie de Paris pendant 2 ans. Bertrand Delanoé, bonjour. Oui, ça va Meloukoum, ça va. Oui, ça va, ça va. Alors, Bertrand, vous avez un souvenir de Saïd Kouachi, hein, je crois. Mais bien sûr, écoutez, Saïd était un jeune garçon écorché vif, mais que nous tentions de remettre dans le droit chemin à mairie de Paris. Ah bon? Je me revois lui dire, Saïd, la société a fait de vous un jeune sans repère, mais il existe une marche avant la radicalisation religieuse et le djihad. Ce sont les éco-emballages. Savez-vous, jeune Saïd, que le tri sélectif peut sauver la planète? Il répondait quoi alors? Il me répondait très coudoisement, je m'en branle de ta planète, moi je veux la faire péter. C'est effrayant ça. C'est vrai que des fois il me faisait peur. Comme cette fois où il s'était mis en tête de faire un attentat à la poubelle piégée. Et vous l'avez arrêté à temps? Écoutez, alors voilà ce qui s'est passé. Je lui ai dit, mais Saïd, mais qu'est-ce que... Il était en train de mettre sa poubelle. Mais vous faites quoi? Mais vous êtes fou bien. Vous venez de placer votre bombe dans une poubelle jaune. Non mais vous perdez la tête. Combien de fois il va falloir que je vous dise que les poubelles jaunes sont faites pour les emballages papier carton, pas pour le métal. Et voilà. Merci Bertrand Delanoë. J'ai une petite question, Roger Federer.
Est-ce que vous avez une réaction ce matin aux propos tenus sur Europe 1 par Joe Wilfried Tsonga, propos un peu sévères à l'encontre de Yannick Noah? Attends, tu me dis quoi? Que le gars, la pub Kinder Bueno, Maxime, il aurait dit un truc contre un tennisman français du siècle dernier. Tu penses vraiment que ça m'intéresse? Alors attends, même quand il n'y a pas Soto, toi, Maxime, tu viens aussi m'emmerder le matin? Non? Pardon. Attends, je suis quand même le meilleur tennisman de l'histoire du tennis. Je suis pas speakerine ou chroniqueur sur Europe. Hein. Allez, je remets mon coco aussi, je vais me recoucher. Oh. Roger, allons. Bonne nuit, Roger Federer et Nicolas Cantelou. On le retrouve évidemment à 9h moins le quart dès lundi en direct sur Europe 1. Merci, Nicolas.